10 ans, on fait répétition avec musicien, on joue le show, joue bien. Musicien, mais pas même bon bagarre, monsieur. Chapeau, bravo. Nous sommes plus forts ici, ça. Non, c'est ça. Allez, artiste, merci, on peut le mettre en haut après, ok? Amen? Ok. Ah, frappez même pour mon Dieu encore, frappez. Ah, artiste, a chanté. C'est le point, regardez-le. Quoi, c'est le point? Artiste, ça va chanter bien? Ok, chantez comme ça, tout le monde. Amen. On ouvre vite nous dans Josué le chapitre 1er. On a commencé dans verset 1er, on est dans verset 5. Là. Amen. 10 ans, on ne va pas chanter musique. On ne va pas chanter même. Oh, un mot fait mes carrières là. Mais c'est ça. En tout cas, moi le prochain, t'es donné. Vous l'avez? Oui, yes, moi le prochain. Mettez-vous sur l'éternel, moi le prochain. Alors, allez, Josué, le chapitre 1er, verset 1 à 5, à la gloire de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'éternel, l'éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le Dieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Toutefois, Babi, aujourd'hui, c'est anniversaire et frère David. Moi, c'est de parler de ce groupe blanc déjà. Je pensais que nous pourrions aller fêter avec les talents. Et il est bruit que c'est l'anniversaire de la sœur Bettina aussi, c'est ça? Hier, c'est l'anniversaire de Bettina. Côté-elle. Campé. C'est l'anniversaire ou bien? Ok, on a fait maillot en cachette. C'est hier, sœur Rachel Dinsa. En tout cas, donc, faites sœur Bettina, c'est pour dimanche, ok? Et c'est pour dimanche, on a fêté le dimanche. Je vous dis, on va passer la fête, frère David. Amen. Bonjour, béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour grâce. Merci pour fidélité envers nous. Merci pour tout ça que fait déjà, Seigneur. Merci pour la joie que va l'église hein, dans le sein. Mon temps, côté tout le monde a dû attrister. Mais on fait grâce parce que le Saint-Esprit, il y a de joie dans le monde. Seigneur, mes paroles, Seigneur, qui peuvent parler, et ton Dieu, même, on va parler, en façon l'île. Et nous-mêmes, Seigneur, mettez vous-même, avec l'église, on va bénir, et va comprendre, Seigneur, édifier à travers les paroles. C'est pour l'adresser, et pour dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et nous lisons dans Josué, chapitre 1er, qui c'est. Suite histoire et Moïse, soit de Moïse qui t'a fait la lune dans tout le livre qui est avant eux. Tu as parlé de Israël depuis en Égypte, parlé de Israël dans le désert, parlé de Israël qui vivait tout près de la frontière canarien, et que mission Moïse va finir là. Et nous connaissons, c'est parce que Moïse est désobéi à Dieu. En dépit de Jean bon Dieu, il était même. En dépit de Jean Moïse, lui-même, il travaille pendant 80 ans. Et Moïse va faire erreur. Et bon Dieu, il va dire, moi, au pape privé canadien, parce que là, on désobéit, moi. Bon, il faut monter à vous, pour montrer au côté de la main. Moïse, on dit d'abord le ballon zizi vite.
Et puis Moïse gardait, et puis mon Dieu dit, Moïse, vous finissez là. Ils sont finis. Mais puisque c'était une promesse qui était faite, mon Dieu te dit, faut peuple Israël aller à Canaan, malgré, t'as dit, presque tout le monde mourit dans le désert, en pile mourit. Et son pile petit monde, son pile jeune monde qui était resté, c'est le monde qui était fait, donc qui était prend naissance dans le désert. Hein? Ah, mais bon Dieu, puisque son Dieu des promesses, des paroles, il est obligé de faire ça le désir. Hein? Parce que la rébellion du peuple Israël dans le désert, il n'y a pas de possibilité pour le peuple d'avoir une chance encore. Et ça fait me comprendre qu'il y a même, bon, j'ai révélé, il y a des gens là qui ont des promesses sur la vie, au sel. Mais puisque la vie, vous vivez des rébellions, il n'y a pas de promesses, mais petit, il y a des jouis, promesses, si tout le monde, vous-même, vous êtes d'accord, c'est lui, bon Dieu. Amen. Donc, moi-même, dans mon dit, moi-même, pas d'accord, mon jouis pour moi, c'est moi qui joue pour mes soins. Voilà, dit ça. Amen. Parce que chaque monde a des promesses, pas vous. Petit, vous avez fait des promesses, pas tout. Mais ou tellement, comme tu as dit, désobéissant, mais promesse pour la faire pile avec papi Titouan. Mais c'est ça qui va arriver, parce que la Bible, bon Dieu, dit à Josué, ou c'est serviteur de Moïse, ça c'est petit Moïse. Il n'a pas dit Josué, ou c'est serviteur, non. Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Amen. Ça veut dire, c'est promesse que mon Dieu fait à Moïse, que petit lit, Josué, il va jouir. Maintenant, il dit, ah, serviteur, quand il y a plus que serviteur qui a mouru, quand il y a une alliance, il y a un pacte avec vous, que y a une possibilité pour promesse que je fais, mes prophéties que je fais depuis en pile temps, pour réaliser à travers vous-même. Amen. Il y a tout le monde là qui a une chance que la promesse de bon Dieu réalisée dans la vie, yo. Non seulement pour vous-même personnellement, et pour pile l'autre monde. Amen. Parce que bon Dieu créé son source de bénédiction, donc vous devez jouir les promesses de Dieu, non seulement pour vous-même, ou jouir personnellement, et pour les monde qui jouent à travers vous-même. Maintenant, dans ce cycle, bon Dieu m'a dit, Josué, il dit, nul ne tiendra devant toi. Pas de monde qui a campé devant. Pas de ennemi qui a campé devant. Pas de adversaire qui a campé devant. Pas de problème qui a campé devant. Pas de défi qui a campé devant. Tout le temps, on va vivre. Ah, je suis content parce que là, tu as semblé que tu as une condition même là. Amen. Pas de condition. Parce que c'est le premier verset dans le chapitre là. Bonjour, m'a dit Josué, pas que moun kap ka kampe devon. Quel soit ennemi kampe devon là, l'a crasé. Quel soit moun qui fait complot sur vous, l'a mouri. Quel soit maladie, diable, li t'a voyé, sou moun li pa ka rentre dans le corps parce que moi qui t'a occupé place ça déjà. Amen. Et ça que je toujours dit, au moun qui kap servi, bon Dieu, colle plein maladie, c'est bon problème. Parce que là, il y a l'absence du Saint-Esprit. Parce que côté Saint-Esprit siégé, diable pas qu'à mettre l'autre bagaille. Et ça fait, corps pas qu'à gagner Saint-Esprit et diable à la fois. Et la Bible claire, elle dit, toute maladie vient du diable. Il calme une épreuve. Épreuve la gagne pour le passé. Amen. Et si vous faites tout le temps là, mon problème là. Amen. Bonjour, dis bonjour. Josué, c'est où qu'a mené le peuple là? Ma qu'on est qui moun, bon Dieu, mettez sous compte vous mener. En plus, il faut qu'on là parce qu'on ne pas pasteur, on pense qu'on va des gens qui vont mener. Et on charge les gens qui vont mener. Parce que les gens, c'est un modèle. Est-ce que tu as des samedis là? Les gens, si on a l'évangile toujours, c'est parce que ou même ou toujours modèle. Ou toujours pas un bon exemple. Les gens là, ils vont chiter, ils vont chiter tout. Parce que vous avez la foi qui va permettre que vous-même vous aimez. Vous avez la foi qui va permettre que vous-même personnellement vous servir pour Dieu. Donc, c'est sous route branché. Ça fait un jour où on tombe pour une bêtise, on a saisi, ou pas le monde qui c'est vous-même qui avez mené parce que vous-même vous avez chuté, vous allez tomber tout. Parce que c'est sous vous avez appuyé. Amen. Et bonjour, on dit, le peuple Israël doit appeler la prière sur vous, parce que c'est vous qui allez mener, côté de promettre là.
Les cas qui soient ennemis campés devant vous, moi-même m'a détruit. Même si ennemi est plus fort que vous, m'a détruit. Et je me sens que j'ai envie de dire à Samuel, donc sous ta tchèque, David m'a dit pour face à Goliath, est-ce que lui-même n'était qu'à camper devant Goliath? Amen. Amen. Est-ce que l'église a vivant là? Amen. Amen. Là. Maintenant, ici, je sais, ou pas besoin de peur, ou pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin d'attrister, même si tu as ennemi, il est 10 fois plus que vous. Moi-même qui parlais, à la bouche, moi, je m'a déçu tout net. Maintenant, je ne vais pas avancer. Il dit, Josué, nos conditions là. Il dit, il ne faut pas détourner ni à gauche ni à droite. Ah, je vais commencer à marrer là. Et Josué va commencer à comprendre. Josué ne compte pas comprendre. Parce que bon Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire tout ton vivre. Pas de rien qu'à faire. Pas de monde qui a tout le pas de monde qui a fait peur. Pas de monde qui a détruit. Et Josué content. Mais bon, je vais dire, dans verset 8, là, il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous entendez là? Allez, pour moi qui comprend, il y a trois à l'aise là dans l'évangile. Pour moi qui comprend, puisque bon Dieu te fait une promesse, depuis qu'il y a chanté, il y a bon. Depuis qu'il y a fait une prière, il y a senti bon, il y a trois à l'aise. Et on t'a dit, et moi, je ne suis pas capable de sentir trop à l'aise ici. Les lois de Dieu, c'est vrai, elles ne sont pas payées, mais elles sont conditionnelles. Il dit, Josué, que celui de la loi ne sera pris de ta bouche, médite-le jour et nuit. Une condition. Il y a des gens là qui parlent de la Bible. Donc on y a là, on va comprendre que mon Dieu, parce que mon Dieu te fait promesse dans la vie, ou pas de la Bible, pour ressourcer, pour comprendre, ou chita sur rose, pour comprendre, mon Dieu va le dire, ça l'a décrit. On dit, mon Dieu va prendre rien. Il dit, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que vous voyez, nous devons comprendre, mes bien-aimés. Promesse mon Dieu, c'est une, mais capacité pour guérir, pour qu'à tant de promesses accomplies, il m'a donné un sacrifice. Amen. Parce que mon Dieu n'est pas automatique. Mon Dieu, c'est pas ce que je dis au bagage quand il dit la laguille. Non. Il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours là-dedans. Donc maintenant, on a besoin de capacité. On a besoin de force. On a besoin de maturité. On a besoin de pile grâce pour qu'attendre. Hein? Maintenant, on a besoin de pile révélation aussi. Mais la connaissance de la parole. Parce que, il n'y a pas qu'à faire qu'attendre, c'est le compte de mon Dieu. Et on a compte de mon Dieu à travers la parole, qui c'est révélation. Il dit, je sais que celui de la loi de Seigneur est près de ta bouche. Et je sais, ou pas qu'il y a qu'à camper de vous aussi, oui. Pas de monde qui a gardé tout, c'est vrai. Pas de monde qui a avec vous. Pas de monde qui a fait crier. Mais, il faut lire vos paroles. En quelque sorte, il faut principe pour ne pas éloigner. Il ne faut pas gâter des principes. Et comme si je sentais mon Dieu envie de Moïse, José, c'est moi qui t'ai dit Moïse, je vais mener le canal. Je t'ai dit, je vais mener. Mais il va arriver. Est-ce que c'est parce que nous sommes Dieu menteur? Non! Mais c'est parce que Moïse, il était négligé la méditation de ma parole. Il était négligé le principe. Et puis il prend le désobéi. Parce que mon Dieu dit, Moïse, parlez à Rocher. Moïse frappait dans le coup de bâton. Et la Bible dit, le Rocher, il était typifié Jésus. Il était typifié bon Dieu. Et les Moïse frappaient Rocher à coup de bâton. C'est comme si bon Dieu il fait beaucoup de bâton. On m'a dit, si c'est coup de bâton, on fait bon Dieu mal, mon Dieu fâché. Et moi, c'est pas connu. Ah, c'est Moïse qui fait coup de bâton. Il fâché. Et la Bible dit, mon cher, c'est bon Dieu. Moïse flotte pour Dieu au coup de bâton. Mon Dieu, comprends Moïse, c'est bon Dieu à moi. Moïse flotte pour Dieu au coup de bâton. Mon Dieu dit, eh, Moïse, quand tu coup de bâton, ça a mis, mission finie là. Ça me dit, tiens, on ne peut pas priver le canal africain. On va mettre nous, et puis pourquoi pas un coup de bâton. Ça veut comprendre?
En pile fois, les promesses que Dieu fait sur la vie, nous, ils n'ont pas accompli, c'est parce qu'ils n'ont pas gonflé mon Dieu pour le bâton. Donc, quand on bat le bâton, ne passons pas nous. Amen. Amen. On bat le bâton, ne passons pas nous. Parce que la Bible claire, mes bien-aimés, Seigneur, il dit c'est la sanctification en premier, le royaume. Et tout le bagage va venir. Ça, vous avez dit, va venir. Et comment vous avez dit? Mais il dit, le royaume et la justice de Dieu. Et ça fait rien de dit, soyez ou pas contre soyez parce que beaucoup soyez là. Et petit message là. Ou pas contre soyez parce que beaucoup soyez là. Parce que c'est d'accord sur ça. Ou pas contre soyez parce que beaucoup soyez là. Qui soyez, vous voyez? Parce qu'on lève matin, on va manger ça comme bagaille. Ah ah. Si toi, mon passé la carrière, vous mangez le royaume, même si vous mourrez à la carrière pour mon bagaille, soyez. Rien! Bon, je vois rien. La Bible dit que c'est une source de bénédiction. Nous toujours dit ça. Non, source c'est prêt, on y prend. Source c'est pas, il y baille. Non, mais combien de monde là? Avec Bible, non, mais au chita la capitaine là. C'est que quatre moun passe la caillou là et c'est qui mange le royaume. Et vous deux sources bénédiction, bloquez. Ou bien bon Dieu, ça vient, nous mantelier. La Bible dit, bon Dieu dit Josué, les amis, qu'est-ce à côté pied au pile maou comme héritage? Et c'est dans les amis là. Qu'est-ce à côté pied au pile? Même ça, vous comprenez? Même si Josué t'a marché, dans le courril, là, il rentre dans le pays, pas pour lui. Dans la folie, puisque Piel voulait le libouler. Mais il dit que ce livre de la loi se doit être pointé à gauche. Josué n'a pas droit de tourner ni à gauche ni à droite. Si nous demandons qui est là, on dit qui est là. Je me dis que c'est ma gauche, ma droite. Je ne sais pas comment on peut et tourner à Bolocho. Parce que une bagaille qui fait promesse pour accomplir la vie, c'est la foi qui a une capacité pour attendre. Elle dit qu'attendre, c'est pas arrêter de m'attendre. Non, attendre dans la foi. N'est-ce pas bagaille? Lorsqu'on compte pour Dieu, on crie à l'âme aux yeux, on demande le pardon pour péché. Et bien après ça, vous venez rentrer dans la conscience, dans la pitié, mon Dieu, vous dites, mais qui sont besoin? Bon Dieu dit, oui, ma baoule. Mais bon, j'attends nous. Bon, j'attends là, il porte le baou pour le genou dans le même comportement que tu as demandé. Ah, nous tellement bluffé, je me demande, mon Dieu, parce que mon Dieu te dit oui, et bien, oui, pour aller arriver là, le genou de femme, chérie, mon Dieu. Voilà bien passé. Allez, pourquoi je me dis ça? Hein? Ah, allez, va répondre, mais c'est là, mais péché, l'église. Ha ha! Pourquoi je me dis ça? Bon, pourquoi je répondre? Moi, je ne parle pas de péché. Quoi, allez, qu'on dit. Oh non, mais ce n'est même pas changé. Il n'est pas fait, mais il va dire. Ah oui, ma chérie. Bon, c'est posé, mon c'est posé. Ici, à la machine, à 100 millions, mais il est venu gâter là. C'est mal, il va voler à bon aller. Quittez mon gars, bêtisez, bêtisez. Vous d'accord, prêtez. Maintenant, vous êtes prêt pour faire tout bagaille. Il m'a dit, ça fait troisième fois que je prêche, mais ça et ça. Il est prêt. Parce que nous toujours, gain astuce. Nous toujours, gain ruse pour nous sensibiliser, mon Dieu. Et mon Dieu, lui-même, toujours quitter nous sensibiliser. Ah oui. Mais là, tant qu'il n'a pas réalisé ça, lui-même, il est fait. Qui côté le bois joue nous? Dans Deutéronome 28, il dit, il dit, mais qui bagaille qui a privé dans la vie de monde qui obéit à la voix de l'Éternel, bon Dieu. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, mais qui ça qui a privé? Moi, je dis non, ou beaucoup en y a même, moi qui pense que toi, bon, pas qu'à servir mon Dieu, qui pas venir dans l'église, qui pas qu'à prier encore, qui vient là où vous qui pas respecter l'engagement, ou beaucoup en y a même. Ah, si vous pensez parce que vous touchez 5000 dollars par mois ou parce que vous n'avez rien dit tout même. Ou pas rien. Vous ne dites pas rien. Vous ne dites pas rien, vous ne dites pas rien. Et ça fait là, l'on a condition ça, l'on a comportement ça,
Même si on fait comme on va gagner rien même avec le presque. Rien. Parce que servir mon Dieu, son engagement lié. Et son engagement éternel sur la terre. Pourquoi engagement prend engagement éternel sur terre? Donc l'on néglige mon Dieu néglige tout. Et mon Dieu me dit son de lié, il prend forme mon balia. Forme, il prend forme vase là-dedans. L'on néglige mon Dieu néglige. Mon Dieu fidèle. Donc, si vous pensez au bagage, vous voyez tout. Donc, je ne vais pas jouer l'église. Je ne vais pas rien, oui. Je ne vais pas tout raison pour pas rien. Comment vous comprenez l'église, ça, qui est quand il y a des gens qui donnent là, qui n'a pas qu'à faire offre pour acheter même au gaz? Je ne vais pas défi pour ça, je me dis, mais c'est l'église a ramassé 100 dollars pour mon compte, je vous dis. Je vais vous dire, cher. Ici, je vais vous dire. Vous n'avez rien. Donc, ce n'est pas chiche ou chiche. Ou pas chiche. C'est parce qu'on n'a pas gagné. Eh bien, ça s'est passé. Vous n'avez pas gagné. Bon Dieu, je vais vous dire. Oui, bon Dieu, dit le café, le café. Donc, bon Dieu dit, ce n'est pas même qui te coûte. Ce n'est pas Aurélie qui dit, mais c'est nous-mêmes qui mettons séparation. En plus, il faut admettre, nous ne pas comprendre. Parce que l'attente, c'est l'un de tomber dans l'adultère pour nous dire mon Dieu, t'es péché. L'attente, c'est l'un de tout le monde pour nous dire mon Dieu, t'es péché. L'attente, c'est l'un de baïmant, c'est tout le monde qui est l'un de péché. Mais nous ne pas demander mon Dieu pardon parce que nous sommes venus dans le service de la vie. Et comme tout le monde, nous nous mettons en place, mon Dieu, qui empêche nous de venir à l'église. Eh bien, ouais, il va rien, mon Dieu, il va nous donner rien. Mais utile, il va nous dire. Parce que c'est expert au fait. Qui c'est expert au fait. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas gagné de temps. Alors l'église a dit, j'en pitié tout, on va dire l'église ça. On n'y a pas qu'à travailler là-dedans en pile. Moi-même, l'homme de l'église grecienne, jusqu'à ce que je quitte, je vais toujours faire tout ça, je vais faire. Jusqu'à ce que je devienne dire, on joue que je vais prêcher de l'autre côté. Malgré que ça a posé scandale. Ça va pas utilement rien parce que vous connaissez bon Dieu que vous allez dérouler. Vous avez fait stage. Amen. C'est stage que vous avez fait. Parce que quand vous êtes là, vous n'avez pas de prêcher, oui. Mal fait stage. Maintenant, la Bible dit si vous obéissez à voir mon Dieu là, mais qui s'est privé? Même si vous avez quitté le pays, ça, c'est une persécution que vous avez quitté ici, hein, ou allez Jérémie, nous mettons mode. Puisqu'on obéit avec mon Dieu, on va prospérer là. Et c'est le cas de nous, amen. Et c'est le cas de nous, amen. Même si on t'a quitté le business ou non, on t'a quitté la persécution de mettre dehors dans une zone, on va faire le business ou encore. On va aller sans rien. On va aller dans le monde qui va gagner rien. Qui va gagner rien. On va prospérer là. On va gagner l'argent, on va gagner manger, on va gagner tout ça pour gagner. Parce que la Bible dit, c'est si tu obéis à la voix des anges de Dieu, à demander à Abraham. L'on campé, la fête dégoûtante, il met sur toute terre qui est glorieuse, terre fertile. Et il prie promesse à ses pour Abraham, il te fait. C'est vite, monsieur, ça a des problèmes. Abraham a dit, bon, nous ne pouvons pas avoir des problèmes, mes amis, parce que c'est mon Dieu dans ses vies. On va faire choix quand on voulait à même aller côté ou même ou pas choisir. Et l'on garde tout belle côté qui est l'eau, côté qui est rivière, côté qui est la vie. Et l'on dit, prends ça. Abraham dit, ok, je prends mon nom. Ah. La Bible dit, bagaille, Abraham connaît. Richesse, Abraham gagne. Bien, Abraham connaît côté le théâtre. C'est bagaille, l'eau, même l'eau. Il n'y a pas qu'à comprendre. Et ça va être qui obéit à l'éternel, mon Dieu. Réussite ou bien-être, tout n'est pas dépend de ça, oui. Il dépend de ça, mon Dieu planifie. Amen. Mon Dieu va demander un pile de bagaille. Il dit demander obéissance. Il dit je suis arrivé. Ou à conquérir terre. Ou à craser l'ennemi ou non. Ou pas jamais manquer manger.
Ou pas besoin de problème caille pour dormir. Ou pas de problème gloire. Ou pas de l'argent. Ou pas de tout bagaille. Mais à condition, si vous obéissez à moi-même, je vous fais. Moi, je dis ça déjà, la désobéissance, c'est pas seulement le monde qui peut jouer. Moun. Et lorsqu'on est l'église, c'est à 7h, à 8h30, c'est un acte de désobéissance. Et quand on même qui comprend, on va ici, là, les gens après les, on mourir, après les tout, on a un problème. Si c'est pas mal, là, tout est malade. Vous regardez, vous à 7h, vous à 7h30, vous désobéissez. Et vous même, vous attendez qu'il est pour aller tomber dans la fornication pour moi, bon Dieu, pardon. Et péché, ça, vous fait là. Et vous même, qui est gros péché, ça, vous fait là. Il est trop petit. Alors, il est plus petit que adultère. Il va plus petit, mon cher. Ou si vous oubliez l'église, hein? Pendant que tant nous pas venir, et vous avez tant nous pas demander mon Dieu pardon pour leur dire une bêtise. Non, c'est péché, ça pique grave. Combien de monde qui t'a pas saisi? Combien de monde s'est attravé quand Dominical t'a béni matin? Combien de monde qui t'a ressaisi à travers le message quand Dominical? Et nous tous, pile fois nous pas honnêtes à tête. Combien de monde bon Dieu t'a planifié ce qu'on dit? Qui va le faire ou pas tout y est tête yo? Qui va le faire ou pas tomber dans la prostitution? Qui va le faire ou prendre courage pour connaître bon Dieu? Pas oublier yo. Donc, on comprend qui dégâts ou fait. Et puis, on attend, c'est là où on dit une bêtise, laisse ça, pour aller demander mon Dieu pardon. Ou bon problème. Donc, maintenant qu'on y a là, on peut le faire comprendre que, on a plein mon Dieu, on a promesse ça, mais rien n'est pas marché. Il y a des gens qui étaient plus hauts passés ou qui tombaient plus bas. Ah. Il y a des gens qui étaient plus renommés passés ou qui descendent plus bas. Il y a des gens qui étaient plus l'argent passés ou qui descendent plus bas. Parce que des bouts désobéis à mon Dieu lui-même l'a réglé le problème, il a résolu le problème. Maintenant, mon Dieu prêt, mon Dieu pas menteur. Il dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mais il y a une condition. David t'a gardé mouton. Mais David, c'est ton adorateur. On est qui t'a servi, mon Dieu. David senti mouton, l'a servi, mon Dieu. Et Samuel, bonjour, va le voir, Samuel. Il va dire, vous prenez caille, monsieur, ça. Vous va choisir, vous va. Moun Mazou, la série, vous va choisir. Vous avez le prophète arrivé, il commence à voir Eliab, Abinadab. Il dit, waouh, mais waouh, parce que ça y est, il ressemble à roi. Et lui, il va le faire, monsieur, passer. Dieu dit, Samuel, non. Il va faire Eliab passer. Il dit, non. Abinadab, non. Monsieur Balmas dit non. Samuel dit non, là, bon problème, bon contradiction, parce qu'il dit non, mais n'est-ce pas qu'à parler. Et si tout si j'ai fait référence à Saïl, parce que, mon Dieu, la Bible a dit Saïl, on est quitté beau de visage. On est quitté en forme. Alors, il va le penser si, mon Dieu Balmas, mon successeur, ne faut t'apprendre dans l'examen. Mon Dieu dit non. Samuel m'a dit, attendez, je ne comprends pas, non, mes amis, est-ce que pas qu'il y a un autre monde encore? Mais il a réfléchi. Et ça veut dire que les gens qui obéissent à la loi de l'éternel sont Dieu. Même si nous oublions, on va occuper. Même si nous humilions, on va occuper. Même si nous disons, on ne peut pas occuper. Parce qu'il y a un plan tracé.